C'est officiel, les Lions appriment sans nul, ils ont perdu 4-0 face aux Lions de la classe. 4-0, un score qui pourrait donner la fausse couche. La raison de cette défaite ne serait-elle pas due au championnat local qui va en pente décroissante dans notre pays? Ça c'est du viol, ça c'est carrément du viol ce que le Maroc nous a fait, c'est... pas normal du tout, je me dis, parce que on respecte réellement le Maroc. Avant d'entrer au stade, on s'est salué, ce sont nos amis. J'aime bien les Marocaines, j'aimerais bien épouser une Marocaine dans ma vie, je les aime. Et après, pendant le match, ils ont marqué le premier but, on a laissé passer, c'est normal, on peut marquer. Ils ont marqué le deuxième but, ils ont marqué le troisième but, après ils ont marqué le quatrième but. Actuellement, je vais pleurer lorsque je vous parle, ça fait très mal, vraiment très mal, je suis très mal. Mais je peux pas pleurer parce que je suis le capitaine, c'est impossible. Ouais, moi tout le monde dit que je ressemble à Rigobert Song, j'aime beaucoup ça, je pense que je ressemble réellement à Rigobert Song. J'ai la coiffure de Rigobert Song, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. J'aimerais bien également qu'on m'appelle Rigobert Song dans les prochains matchs, j'aime bien ça. Et si on a perdu, c'est parce que beaucoup de Camerounais ont critiqué le fait qu'on m'appelait Rigobert Song. C'est pas sérieux, c'est pas normal, on doit m'accepter comme je suis très fort, je ressemble à Rigobert Song. Pour revenir à la défaite, je pense que les Marocains, ils ont joué ce qu'ils pouvaient, ils étaient pas plus forts que nous, on les a laissés gagner, c'est tout. C'est la femme là qui a touché la tête des lions. Pourquoi est-ce qu'elle leur a touché la tête? En plus de ça, elle leur a amené à l'église. Moi, je pense que vraiment, elle n'aurait pas dû toucher leur tête. Et là, je pense qu'il est nécessaire d'alerter les autorités administratives pour gérer ce cas. Ce n'est pas normal. Elle pourrait en quelque sorte être la cause de la défaite des lions. Nous n'avons jamais eu ce genre de défaite 4-0 dans notre propre pays. Pays organisateur, ce n'est pas normal vraiment. Je pense que les autorités doivent prendre en considération ce fait-là. Comment est-ce qu'elle peut amener nos lions à l'église et en plus de cela toucher leur tête avant le match? Vous voyez qu'elle a pris toutes les techniques de jeu dans la tête et puis on va insulter nos lions par-ci par-là. Sérieusement, je pense qu'on doit revoir ça. Les autorités, faites ce qui vous revient de droit et je pense que nos lions seront satisfaits et en même temps soulagés du fait que à part la défaite, ils ont été encouragés quelque part par la population et par les autorités également. C'est la bonne manger, le compte n'a pas avant de venir, vraiment. Et puis les cons là sont venus, ils ont fait le connerie sur le terrain, vraiment, je n'arrive pas à y croire. J'étais déçue, vraiment. À cette allure, j'ai même déjà mal aux yeux. Hein. Comment ils ont pu nous faire ça? Actuellement, je n'ai même plus faim et mon compte a bien même de finir. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.